notre Dieu et notre Père. Merci pour la vie de ta servante. Alors que nous sommes prêts de l'écouter, nous prions que le Saint-Esprit prenne contrôle de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes, mais aussi de tout notre être. Nous voulons soumettre notre être tout entier à la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Soumettre notre être à l'autorité suprême de ta parole. Père, nous voulons dire, comme le prophète, parle, parle, car ton serviteur écoute. Merci, au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je vais inviter celle-là que nous appelons affectueusement Maman Agnès Bangoura. Elle est servante de Dieu. Je l'ai présentée hier. Elle était directrice de radio dans son pays, la radio nationale dans son pays. Quand elle a rencontré Jésus, elle a tout abandonné pour servir l'Église. Tout abandonné pour servir l'Église. Servir Jésus. Travailler pour la croissance de l'Église. Et ceci, au-delà même de son pays. Elle est originaire du Cameroun. Elle vit en Sierra Leone. Mais aujourd'hui, elle est au Sénégal. Et depuis hier, nous sommes en séminaire. Ces hommes de Dieu qui sont venus de toutes les régions pratiquement du Sénégal. Nous sommes en séminaire le matin avec elle et son équipe. Et nous parlons des stratégies de croissance de l'Église, d'établissement de nouvelles œuvres, d'implantation d'Églises partout dans le pays. Parce que s'il y a une chose que nous rêvons et que nous battrons de toutes nos forces pour le réaliser, c'est d'implanter l'Église de Jésus-Christ partout dans ce pays, dans les villes et les villages. Alléluia. Alors, maman, venez, s'il vous plaît. Venez nous parler de la part de Dieu. Sous vos acclamations. Hier, nous avons eu le pasteur Johnson du Liberia qui nous a défiés. Aujourd'hui, nous avons la maman qui nous vient de la Sierra Leone, maman Agnès Bangoura. Et demain, nous aurons l'homme de Dieu qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous assure que restez là jusqu'à la fin seulement. Vous verrez ce que Dieu va faire après ces 3 jours. Toi-même, tu verras. D'attendre, toi-même, tu verras. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Alléluia. Holy. For the Lord. What is the life? What is the life? What is the life? Sing hallelujah.
toi, notre Dieu. Amen, amen. Seigneur et roi de l'univers, créateur de toutes choses, Alpha et Oméga, ancien des âges, le roc séculaire, le rocher ancien, l'étoile brillante du matin, la lila dans la vallée, la rose de chaque. Sa présence est réellement ici. Je voudrais dire un grand merci à Papa Ndiaye. Pasteur Ndiaye, merci. Pasteur et Maman Ndiaye, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de communier avec le peuple de Dieu en Sierra Leone, excusez-moi, au Sénégal. Merci
à force de bouger beaucoup. Alléluia. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et surtout, je remercie le peuple de Dieu. Je remercie tout le corps de Christ au Sénégal pour la disponibilité et pour l'opportunité que nous recevons ici. Nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu, que le Seigneur est ici et nous sommes ici pour honorer son nom. Nous le glorifions, nous l'adorons. Je disais ce matin à certaines personnes que quand quelqu'un décède, il fait tout le monde, il n'y a personne qui ne décède sans faire. Il rend le souffle. Amen. Il rend le souffle. Et ce souffle-là est très court. C'est pas long. On ne fait pas. Non, non. Très court. Et c'est fini. Et tant que la personne n'a pas rendu ce petit souffle-là, la vie est là. La vie est là. Donc, ça nous interpelle pour que nous sachions combien grands nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ça doit nous montrer, si nous ne valons que ce souffle-là, si nous ne dépendons que de ce petit souffle-là, nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose. Et ce qui nous donne un peu de valeur, c'est que ce souffle-là vient de Dieu. C'est ce qui nous donne de la valeur. Que c'est lui qui nous a choisis pour nous mettre son souffle dedans et nous permettre de vivre avec ce souffle, de nous déplacer avec ce souffle, de naître avec ce souffle, de commencer à grandir avec ce souffle, de devenir quelqu'un avec ce souffle, d'être capable d'aller à l'école, d'apprendre avec ce souffle, de devenir quelqu'un, de travailler. Alléluia. Notre valeur entière vient de Dieu et vient de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un ici ce soir. Nous sommes ici dans notre mois de foi. Et dans notre mois de foi, je ne sais pas comment il faut vraiment, comment tourner la manivelle pour remonter votre foi. Mais votre foi n'a qu'à monter en ce mois-ci. Votre foi n'a qu'à aller au niveau où vous ne pouvez pas vous y attendre. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Et toute personne qui veut vivre avec Dieu, vivre soutenu par Dieu et voir les exploits de Dieu dans sa vie, il n'y a pas d'alternative. Tu dois manifester de la foi. Tu es un chrétien, tu es assise ici, tu entends des prophéties, tu t'attends à des choses de Dieu, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas de foi. La foi est ton levain. Il n'y a pas de boulanger qui fasse de pain sans levain. Ce n'est pas possible. Et Dieu, c'est la foi. Dieu, c'est la foi parce que Dieu, lui, il ne voit rien. C'est-à-dire que il appelle du néant, la parole dit, du néant. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Mais il sait que dès qu'il va parler, ça sera. Il sait. Il sait, ce n'est pas une question, ce n'est pas un essai, il ne tente pas, il n'essaie pas. Non, c'est comme ça qu'il est. Et donc, le souffle que nous avons, c'est une portion de Dieu. C'est une portion de Dieu que nous avons. Vous savez, même les personnes qui ne croient pas en Dieu, quand il leur arrive quelque chose ou quand ils ont dans un problème, ce souffle-là qui est en eux leur rappelle parce que tout le monde a au moins une fois dans sa vie crié. Mon Dieu! Ils oublient qu'ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu.
Et quand quelque chose arrive, dès qu'ils sont devant quelque chose qui les dépasse, mon Dieu! D'où ça sort? Ça sort du fait que le témoignage de Dieu est en toi. Il a mis son témoignage en toi. Dieu, la présence de Dieu est avec toi. Combien de fois plus lorsque nous avons décidé de cheminer avec lui, nous avons décidé de donner nos vies à Jésus. Et Jésus dit, à partir de maintenant, on est partenaire. Mais on est partenaire comment? Je vais faire pour toi ce que personne ne peut faire pour toi. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu manifestes ta foi. J'ai besoin que tu la manifestes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent sans jamais avoir vu les promesses de Dieu. Parce qu'ils ne manifestent pas de foi. Ils s'accrochent sur la foi des gens qui prient pour eux. Le Seigneur veut que tu croies en lui d'une manière aveugle. Sans avoir vu quoi que ce soit, il veut que tu croies en lui. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas vous parler de Moïse. Je ne vais pas vous parler d'Abraham. Je ne veux pas vous parler de Jacob. Je ne veux pas vous parler de quelqu'un. Je vais vous parler de moi-même. Parce que la parole de Dieu dit que moi, je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi, c'est par la parole de mon témoignage que je l'ai vaincu. Parce que quand il m'arrive quelque chose, je me retourne et je dis, tu te souviens, le Seigneur a fait ça pour moi. Tu te souviens il y a quelques années, quand j'étais dans telle situation, quand j'étais dans telle position, le Seigneur a fait ça pour moi. Je n'ai pas besoin de dire Abraham, je n'ai pas besoin de dire Jacob, je peux écrire mes propres psaumes parce que je sais ce que j'ai à dire au Seigneur. J'ai un témoignage à rendre à propos de Jésus. J'ai un témoignage à rendre. Et si toi tu es encore assis et que par toi le monde n'arrive pas encore à savoir que Dieu existe et qu'il est Dieu, qu'il est fidèle, qu'il est ton Dieu à toi, qu'il est ton Père, qu'il est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur, si le monde n'arrive pas encore à savoir, la foi n'a pas encore commencé. Tu n'es pas sûr, c'est pour ça que tu ne dis pas. Si tu es sûr, tu vas le dire. C'est parce que tu n'es pas sûr. C'est parce que tu n'es pas sûr. On va lire un petit passage dans la parole de Dieu, le livre de Jean, chapitre 11. Alléluia. Jean, chapitre 11, 25. On va aller 25, 26, 27, je crois même jusqu'à 28. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ne me réponds pas religieusement. Regarde à l'intérieur de toi-même. Et regarde si vraiment tu crois ça. Parce que si tu crois ça, il y a beaucoup de plaintes dont tu ne te plaindrais pas. Si tu crois ça. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? On continue. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Est-ce que tu peux le répéter à quelqu'un? Oui, Seigneur. Je ne t'entends pas, je ne vois pas la foi, je ne vois pas la force, je ne vois pas la conviction. Et, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Nous le répétons, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde.
Et comme nous savons que Dieu ne peut pas accoucher, quand il dit son fils, c'est lui-même, qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel est Dieu parmi nous. Il est dans le Fils et le Fils est en lui. C'est Dieu. Oui, je crois. Je crois que tu es celui qui a créé le monde. Je crois que tu es celui qui a autorité sur toute chose. Je crois que tu es celui devant qui le mot impossible n'existe pas. Je crois que tu es celui qui a accès à tout. Je crois que tu es celui à qui rien ne peut résister. Je crois que tu es celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Je crois que tu es celui qui dit oui pour toi et personne ne peut dire non. Non et personne ne peut dire oui. Je crois que tu es celui-là. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es la présence de Dieu même avec nous. Je crois que tu es le Créateur avec nous. Tant que tu es avec nous, nous sommes en sécurité. Nous marchons avec toi, jour après jour, main dans la main, Seigneur. La parole de Dieu déclare que les montagnes environnent Jérusalem. Et de la même manière qu'elles environnent Jérusalem, c'est de la même manière que la présence de Dieu est autour de toi, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. N'en doute pas. N'en doute pas. Mon premier témoignage, peut-être va vous amuser un peu, mais c'est le témoignage qui m'a le plus édifié de ce que la présence du Seigneur est avec moi. J'étais en train de méditer, je priais, c'était la nuit, et je priais, je voulais me concentrer. Ce jour, je n'arrivais pas à trouver de concentration. Et j'étais là, je m'efforçais à me concentrer pour rentrer dans la présence de Dieu. Et il y avait un moustique qui passait là. Je ferme les yeux, je suis à genoux, j'ai ma Bible ouverte devant moi et je suis en train de chercher à entrer dans la présence de Dieu. Je suis en train de prier, mais je sens que je prie, mais je ne suis pas encore entré au niveau où je dois entrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Normalement, quand vous priez ou quand vous adorez le Seigneur, vous cherchez à être dans une place dans votre esprit, vous sentez que voilà, je suis là. Il est là. Je peux lui parler. Et donc je cherchais à arriver là où dans sa présence et je ne sentais pas. Donc je m'efforçais. Et puis donc ce moustique là était là, me dérangeait. Alors ça participait à ma distraction. Je me suis fatiguée. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce soir, j'arrive pas à entrer dans ta présence. Et en plus de ça, j'ai ce moustique qui est en train de me déranger. Si tu pouvais simplement le prendre, le mettre ici, et puis je le tue comme ça. Sans attendre, j'ai vu le moustique arriver dans la direction que j'ai indiquée. Ça veut dire qu'il était dans le contrôle de la main du Saint-Esprit. Il me l'amenait. Il l'a pris là où il était. Il l'a fait descendre comme je lui ai montré. Là où je lui ai demandé de le poser, c'est là qu'il l'a posé. Et je l'ai tué. Attendez, je savais que ça allait vous faire rire. Je savais que ça allait vous faire rire. Mais moi, Dieu m'a battu ce jour-là. Parce que je me suis dit, si tu es capable de prendre soin d'un moustique qui me dérange, et qui est quelque chose de si petit et d'insignifiant, toi, ce grand Dieu, si tu es capable de descendre à mon niveau pour qu'un petit moustique ne me dérange pas, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire pour moi? Un petit moustique. Où j'ai dit, ah, donc tu prends soin de moi même dans des petits détails comme ça? Tu veilles sur moi, moustique me dérange, je te dis, tu m'emportes le moustique et je le tue. Alors, si tu ne supportes pas qu'un moustique me dérange, est-ce que tu peux supporter que l'ennemi me dérange? Vous savez, moi, je suis allée à l'école,
J'ai fait des études, j'ai eu une maîtrise, et j'ai eu une licence en linguistique et puis j'ai changé. Je suis allée en masse communication, j'ai eu une maîtrise en masse communication. J'ai fait un diplôme de réalisateur télévision. Je suis un réalisateur TV par profession. J'ai travaillé à la CIRTV, Télévision Nationale du Cameroun, et j'ai été affectée à la radio pour aller diriger. Je suis restée là-bas. À ce moment-là, il n'y avait pas de radio indépendante. Donc, on était les forts de la place. Et donc, les ambassades, les grandes sociétés, tout le monde passait par nous. Et j'étais la directrice. Moi, je n'allais pas m'aligner dans les ambassades quand je veux un visa. J'appelle l'ambassadeur. Excellence, bonjour. Je voyage. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin d'un visa. Ok, j'envoie ma secrétaire. Elle vient au bureau, elle prend, elle s'en va et on me ramène le visa. L'ambassade de France, le consul de l'ambassade de France m'a cherché une nuit, conduisant dans des routes très noires, sans électricité, cherchant ma maison parce qu'il a fait une erreur sur mon visa. Et il me cherche pour récupérer mon passeport, pour aller corriger l'erreur. Attendez, je vais vous dire. J'ai connu ce qu'on appelle la gloire des hommes. J'ai connu ça. J'ai connu. Je m'assois, et puis on m'appelle, un concessionnaire m'appelle, et puis dit, Madame, s'il vous plaît, nous venons d'avoir la nouvelle Renault Mégane. Nous voulons que vous veniez, on va vous en prêter une, vous allez rouler dedans pour que les gens vous voient dedans. Moi, je suis leur publicité. Alléluia. Et puis en plus de ça, j'étais bien payée. Et puis je voyageais. Réunion de ci là-bas, réunion de ça là-bas, colloque de ça. Et je voyageais beaucoup. Quand j'allais au marché, les marchands du marché, c'était mes amis. Je ne connaissais pas encore Jésus. J'étais très extravagante dans mes coiffures et dans mes manières de m'habiller et tout le reste. À l'époque, j'étais bien fine. Dieu merci pour mon poids aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, il y a des choses parfois qui nous distraient. Quand tu peux mettre certains genres de tenues, des trucs comme ça, tu te concentres un peu sur ta chair là, qui n'est que petit souffle là. Amen. Donc, j'ai voyagé une fois, je suis allée en France et je ne sais plus, j'étais en Suisse et en France. Et puis j'avais fait des tresses. Des tresses. J'ai mis des boules, comment on appelle ça? Des perles dans mes cheveux, j'ai enfilé dans ces tresses-là. Et puis je suis revenue. Je n'avais pas de temps pour enlever ça. Et ça poussait, et j'arrivais pas à avoir du temps pour enlever ça. Un jour, je me suis assise chez moi. J'ai coupé toute la partie, j'ai coupé ma tête, j'ai séparé ma tête en deux. J'ai coupé toute la partie de devant très court. Et j'ai gardé les autres tresses derrière avec les perles. Quand ma mère m'a vu, elle me dit, ma fille, vraiment, j'aurais tout vu avec toi. Ça, c'est quoi encore ça? Et donc, je suis allée à la télévision, je suis passée à l'antenne. Une fois que je suis passée à l'antenne avec ça, la semaine d'après, il y avait plein de jeunes filles avec la même coiffure sur ma tête. Elles se sont dit, c'est une nouvelle mode. Vous savez, si vous avez pu influencer quelqu'un négativement, quand vous arrivez en Jésus, changez la vapeur. Et vous avez la preuve que vous pouvez influencer quelqu'un. Si les gens peuvent copier ce que vous faites de mal, ça veut dire que vous avez une influence en vous qui peut tourner la vapeur et faire en sorte que vous influenciez la personne positivement et du côté du Seigneur. Influencer les gens pour le royaume de Dieu.
Alors j'avais ce genre d'influence là. Et quand on m'a donc nommée à la radio, je suis allée et j'ai commencé à prier parce que j'avais peur. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient là-bas. Beaucoup de gens mouraient. Et donc j'avais peur qu'on ne me tue. J'ai commencé à chercher qui va venir mettre des protections dans mon bureau et tout. Et ça n'a pas marché. Tous les gens que j'ai contactés, ça n'a pas marché. Un jour, il y a une servante. Entre-temps, j'étais sortie de l'église. J'allais à l'église, vous savez, dimanche, quoi. Vous connaissez, non? Par culture. Par culture, par tradition familiale. On va à l'église dimanche. Vous savez ça aussi? Qu'on va à l'église dimanche? Eh bien, tout le monde sait ça. Il y a beaucoup de gens qui savent ça. Il y en a qui vont à l'église dimanche par tradition. Et ils sont là. Alléluia. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Mais ils vont dans sa maison. Parce que c'est là où on doit aller le dimanche. Et c'est comme ça que j'y allais. Mais entre-temps, j'ai eu une crise avec Jésus. Je voulais en savoir davantage. J'ai commencé à avoir une faim, une soif en moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je dis non. Moi, je veux entendre comment tu me parles. Je ne peux pas être là. Tu nous as pris, tu nous as largués là, et puis tu ne nous parles pas, on ne sait pas ce que tu veux, et puis il y a d'autres personnes qui nous disent « Oh, tu ne sais pas ça, oh, tu ne sais pas bien, tu es dans le péché, tu es dans... » Moi, je veux savoir, je veux t'entendre. Et tant que tu ne me parles pas, je reste chez moi. Et quand je vais mourir, on va se retrouver là-bas et puis on va régler nos comptes. Écoutez-moi bien, j'ai parlé comme ça au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour sa miséricorde. Dans les temps d'avant, là, il m'aurait frappé en même temps. Mais je le remercie pour sa miséricorde. Et donc, je suis restée là. Un jour, on m'annonce qu'il y a une dame qui va venir et qui va venir pour une campagne d'évangélisation. Ah, je dis, une dame va venir pour une campagne. Moi, je n'ai jamais vu une femme prêcher. Hein? C'est pas possible. Il faut me l'amener. Ça doit être une roublarde, celle-là. Elle n'est pas. Je n'y crois pas. Il faut me l'amener. Je vais lui poser quelques questions. Je vais l'embarrasser. Je vais lui tendre des pièges. Je vais savoir la vérité. Et puis, donc, la dame est venue. Je ne lui ai pas donné un journaliste pour aller l'interviewer. Moi-même, je l'ai emmené à l'antenne pour aller l'interviewer. Mais vous savez quoi? La première chose que j'ai vue, quand cette femme-là arrivait, elle est arrivée avec son équipe d'intercession. Les intercesseurs étaient derrière elle et elle avançait. Et comme elle avançait, comme elle arrivait vers moi, je sens comme un vent de paix qui arrive avec elle. Elle respire la paix. Elle respire la sérénité. Elle avance vers moi. Elle vient et je n'avais jamais senti ça avant. Je la salue. Du coup, je n'ai plus trop envie de l'embêter. Et donc, on va à l'antenne et je commence à lui poser des questions. Et les questions que je pose à toute question me disent, il est écrit, papa, papa, papa. Ah bon? C'est ça, vous avez lu ça? Elle dit, dans la Bible. Je dis, dans la Bible, là. Moi, j'ai une Bible, hein? Mais je ne l'ai jamais lue. Si je lis la Bible, c'est seulement les psaumes. Les psaumes de protection en plus. Et je vais à l'église tous les dimanches. Et quand on me demande ma religion, je suis chrétienne. Et donc, cette dame-là, elle est venue, j'ai commencé à lui poser des questions. Elle avait tellement de grâce. Tellement de grâce. Elle m'a invité à son évangélisation. Je suis allée à son évangélisation. Elle était assise sur une estrade avec tout son protocole. Et puis quand je suis arrivée, elle m'a vue de loin dans la salle là-bas. J'étais en train d'entrer. Elle s'est levée, elle m'attendait. Elle voulait gagner une âme. Elle avait déjà fixer les yeux sur moi. Il faut que je gagne cette femme-là avant que je ne parte. Elle s'est levée, elle a pris le micro, elle dit, Radio Woman, Radio Woman, come over here,
Je dis, moi? Et puis je me tourne, je regarde derrière. Elle dit, don't turn, you, come. Et puis je suis venue. On m'a fait asseoir à côté d'elle. Vous voyez, parfois, il faut que ceux qui veulent gagner des âmes soient sages. Elle m'a simplement montré beaucoup d'amour. Je ne devais pas m'asseoir là. Je n'avais pas le droit de m'asseoir là. Mais elle a fait un espace pour que Jésus puisse me toucher. Je me suis assise à côté d'elle. Et elle a continué. J'étais en train de les observer. Hein. Ils faisaient leur louange et adoration là. Les gens étaient en train de danser. Je me disais, pourquoi ils dansent comme ça? Et puis, on joue des instruments. Moi, non, je ne sais pas ça. Je connais le piano à l'église. Et puis les gens chantent et puis ils sont soit assis, soit debout, soit assis, soit debout. C'est ça que moi je connais. Alors je vois ça, les gens danser, tout ça, je suis là. Je suis un peu sceptique et puis je les observe. Elles prêchent, j'écoute. Mais attiré, mon regard est attiré par ces femmes qui sont en train de prier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je me demande, mais comment elles peuvent s'arranger à prier pendant des heures comme ça? Elles ne se fatiguent pas, mais qu'est-ce qu'elles disent au Seigneur même? Qu'est-ce qu'elles ont à lui dire pendant si longtemps? Comment quelqu'un peut... Je ne comprenais pas. Et j'étais tellement absorbée à observer les gens que lorsqu'elle a fait l'appel au salut, je ne suis pas allée, j'étais assise là, je regardais ce qui se passait. Mais j'aimais tellement la présence de cette dame que le lendemain, elle m'a dit, viens avec moi demain encore. J'ai dit, oh, je ne sais pas si je pourrais, mais le lendemain, je me suis échappée du bureau, je suis allée la rejoindre. Et le lendemain, je lui ai dit, écoute, ne prends personne pour te conduire, je vais être ton chauffeur. Et je l'ai conduit tout le temps. Elle, c'était un mercredi, je suis allée le jeudi. Et c'est le jeudi que je lui ai de pas prendre de chauffeur. J'ai commencé à la conduire. Vendredi, j'étais avec elle. Samedi, j'étais avec elle. Elle m'a emmenée dans une église le dimanche. Elle m'a dit, viens avec moi à l'église le dimanche. Je suis allée avec elle à l'église le dimanche. Et après, elle m'a dit, non, je veux que tu ailles déjeuner avec moi. Parce que nous partons demain. Moi et mon équipe, on s'en va demain. Donc, viens déjeuner avec nous. Et je suis allée déjeuner avec elle. J'ai déjeuné avec elle et pendant qu'on était en train de manger, les gens venaient, remettaient des cadeaux. Merci beaucoup, tu nous as beaucoup touchés. Vraiment, tu nous as rendu ministère. Merci beaucoup. Les gens apportaient des cadeaux. Elle recevait les cadeaux. Elle bénissait la personne. Elle priait pour la personne. Priait en recevant le cadeau. Donnait le cadeau. Et elle n'oubliait jamais de prier. Et c'est l'une des choses qui m'a touchée, c'est qu'elle n'oubliait jamais de se référer à Jésus. Pour la moindre des choses, elle se retournait vers Jésus. Elle était reconnaissante à Jésus. Une autre des choses qui m'a touchée, c'est qu'elle disait toujours, le Seigneur m'a dit, j'avais demandé au Seigneur, et le Seigneur m'a dit. Et pendant qu'on était là à table, on était en train de manger, je me suis arrêtée, puis je dis, Maman Margaret, ce que tu as, je veux ça. Elle a regardé sa mère spirituelle, et elles ont éclaté de rire. Elles se sont tapées dans la main, take five, pam. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous riez? Pourquoi vous vous moquez de moi? Elle dit, non. Explique-moi mieux ce que tu veux dire en disant que ce que j'ai, tu le veux. Je dis, ce genre de relation, j'ai l'impression que tu es en relation avec le Seigneur, en relation avec Jésus, et que tu n'oublies pas, à chaque moment, tu es dans sa présence et tout. Je veux ça. Elle me dit, bon, tu sais pourquoi nous rions? Depuis le jour où nous t'avons rencontré, nous avons demandé au Seigneur que nous voulons te gagner avant de partir. Nous avons réclamé ton âme au Seigneur. Nous avons réclamé ton âme au Seigneur. Mon Dieu, je prie qu'au milieu de nous les chrétiens, qu'il y ait des gens encore aujourd'hui qui prient et qui réclament des âmes au Seigneur. Que tu regardes à ton voisin, que tu regardes à ta voisine, que tu réclames son âme, que tu pleures devant le Seigneur, que tu dises, Seigneur, je ne quitterai pas ta présence tant que tu ne me donnes pas cette âme. J'ai besoin de cette âme. Je veux te l'amener, Seigneur. Je suis disponible pour servir, Seigneur, mon Père et mon Dieu, d'exemple et d'aide et de repère à cette personne pour te l'amener, Seigneur. Je suis là. Sers-toi de moi. Utilise-moi.
Ce temps-là est passé. L'Église ne connaît plus ce genre de cri. Quand tu entends quelqu'un prier devant le Seigneur, je veux me marier. Eh Seigneur, tu m'as oublié cette année. Je veux me marier. Oh Seigneur, je veux un enfant. Eh Seigneur, montre ta gloire. C'est ça, montrer la gloire? En quoi tu te maries et ça montre la gloire de Dieu? En quoi le fait que tu te maries montre la gloire de Dieu? Le mariage est quelque chose de naturel. Et ça vient tout seul. La gloire de Dieu se manifeste lorsque les ténèbres plient le genou devant la puissance et la gloire de Dieu. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Quand tu gagnes une âme à Jésus, les ténèbres ont plié genou. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie, les ténèbres ont plié genou. Quand il y a une situation dans ton pays et que les choses ne vont pas rond, ne tournent pas rond et que tu plies genoux et que tu vois comment le Seigneur dégage les choses et remet les choses en place, les ténèbres ont plié genoux. C'est là où se trouve la gloire de Dieu. C'est là où se trouve la gloire de Dieu. On est là, on regarde des petites choses et on croit que c'est de là que nous allons donner gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir. Faisons attention de ne pas être une église qui a passé du temps assis, passif, jusqu'à ce que nous mourions, notre temps passe et nous n'avons pas donné de gloire à Dieu. Parce que nous n'avons rien touché en ce qui concerne cet intérêt. Nous étions trop concentrés sur notre petit souffle. Ce jour-là, cette dame m'a dit, va te mettre à genoux là-bas. Ce que tu viens de me dire, va le dire au Seigneur. Mets-toi à genoux là et dis-le-lui. Dis-lui tout ce que tu m'as dit, ce que tu as envie d'avoir avec lui. Dis-lui. Et je me suis mise à genoux. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je me regardais. Je dis, Seigneur, je ne suis même pas digne de toi. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais la présence de Dieu et je savais que je sentais que je n'étais pas digne. Et je disais des choses que je n'avais jamais lues, que je n'avais jamais vues, mais qui venaient, je ne sais pas, qui venaient. Ne me touche pas, ne me touche pas, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Je ne suis pas propre, je ne suis pas propre, je ne suis pas digne de toi. Ne me touche pas, ne me touche pas, Seigneur. Ne me touche pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai gâché ma vie, j'ai touché à des choses auxquelles je ne devais pas toucher. J'ai marché dans des voies où je ne devais pas marcher. Je veux simplement que tu me donnes une seconde chance pour que je mène une vie telle que toi tu l'as destinée pour moi. C'était le cri de mon cœur. Et c'est ce que je criais au Seigneur. Quand elle m'a dit d'aller m'agenouiller et de parler au Seigneur, c'est ce que je lui ai dit. Elles se sont donc levées. Elle est venue, elles m'ont imposé les mains et elles ont commencé à prier pour moi. Le nom de cette dame, c'est Margaret Idahosa. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu le nom de Idahosa un jour. C'est son épouse qui m'a gagné à Jésus. Et elle m'a prise, elle m'a laissée dans une église. Elle me dit, je veux que tu continues ici. C'est l'un de nos fils ici. Je veux que tu continues ici. Sache que tu es une servante de Dieu. Sache que tu serviras le Seigneur. Il y a un appel sur ta vie. Et puis, comme je ne savais rien, j'ai commencé à lui demander, donc, quand est-ce que je dois commencer? Elle m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe, va à l'église d'abord. Quand ça viendra, tu sauras. Alléluia. Je vais sauter des étapes, mais il y avait quelque chose, une soif en moi et un défi en moi. Je disais, Seigneur, parce que je suis venu à toi aussi tard, je veux rattraper le temps perdu. Je veux rattraper le temps perdu. Je ne veux pas chauffer les bancs comme les gens que j'ai trouvés là-bas. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, je suis dans cette église depuis 10 ans. Ils sont assis là. Je suis dans cette église depuis 5 ans. Ils sont assis là. Je suis assis dans cette église depuis 3 ans. Ils sont assis là. Seigneur, que cette abomination ne soit pas sur moi. Je refuse ça. Je refuse ça. Je ne veux pas traîner les pas. Montre-moi vite ce que j'ai à faire. Et si tu ne me montres pas ce que j'ai à faire, papa, permets-moi de toucher à quelque chose où je me sens à l'aise. Dans ta maison, je serai honoré. Moi, je fuyais la radio pour aller balayer l'église.
J'ai mon poste, j'ai le petit poste radio avec moi. J'ai le petit poste. J'écoute pour savoir si tout va bien à l'antenne. C'est tout, je dois contrôler, je dois, au cas où on me demande des comptes, que je sache ce qui s'est passé à l'antenne. Donc je suis toujours avec ma radio. Et quand je finis, je vais chez mon pasteur. À ce temps-là, sa femme était enceinte. Elle était plus jeune que moi, le couple pastoral était plus jeune que moi. Maman pasteur était enceinte. J'allais faire la vaisselle chez elle. Je fais la vaisselle, je lave la cuisine, je mets tout en ordre. Le Saint-Esprit est mon témoin. Je mets toutes choses en ordre. Je lui demande, maman, je suis sur le point d'aller au bureau. Tu as des courses? Je peux profiter de ce petit moment pour aller faire tes courses et te les ramener. Je vais faire les courses, je finis les courses, je les amène, je range bien dans la maison, je m'en vais au bureau. Depuis le temps où j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas manqué un culte du soir. Sauf si je suis en mission. Je n'ai pas manqué un culte du soir. Je n'ai pas manqué un samedi, une répétition. J'ai rejoint la chorale. J'ai joint le groupe de décoration. Je n'ai pas manqué un jour. Et vous voyez, je pleurais beaucoup. Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans ta maison, ne me permets pas de m'asseoir. Ne me permets pas de m'asseoir. Trop de temps a passé. Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus que ça à faire. Je ne sais pas le temps que j'ai encore. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. C'était mon cri. Il y avait une chanson de Ron Kenoly que je chantais toujours. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hand, Lord, take my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Si tu peux utiliser un bâton dans les mains de Moïse, un bâton, bâton, pas être humain, bâton, bâton utile dans la présence de Dieu, bâton utile pour l'Éternel des armées, bâton qui n'a pas de vie, bâton sec, bâton mort, bâton, tu utilises. Et moi, moi qui ai la vie, j'ai des pieds. J'ai une force, j'ai une intelligence, je peux parler, je peux réfléchir, je peux faire des choses pour toi. J'étais à la radio quand le Seigneur m'a parlé. J'avais 2 ans dans la maison de Dieu. J'étais un bébé de 2 ans. Le Seigneur m'a dit, personne ne parle de moi dans cette radio. Et quand tu ne me connaissais pas, je t'ai élevé pour cette radio. Trouve-moi un espace dans cette radio. Et toute la direction générale de la CRTV, le ministère de la communication et tout, ils sont contre les églises évangéliques et tout ça. Ils nous appellent les sectes. Les sectes pernicieuses. Et ils ne nous permettent pas, ils ne nous permettent pas de parler de Jésus à la manière dont nous en parlons, comme le sauveur du monde, le Seigneur. Et c'est là le Seigneur me dit, donne-moi un espace, trouve-moi de la place dans ta radio là. Dimanche matin, j'ai pris 2 heures, de 8h à 10h. J'ai intitulé cet espace « Célébrons son saint nom ». Célébrons son saint nom divisé en 2. Première partie, on prêche. Deuxième partie, on fait le dictionnaire biblique, on explique les termes bibliques. Et donc, je lui ai dit, ok, je vais appeler mon pasteur pour qu'il vienne animer cette tranche, la première tranche. Il m'a dit, non, non, non. Tu n'appelles pas ton pasteur. Vous êtes trop divisés. Quand tu vas appeler ton pasteur, ils vont fermer leur radio parce qu'ils vont dire que vous faites la publicité de votre église. Ah ok, donc bon, je vais appeler le bishop Ngou. Il dit pas de bishop ici, hein.
Je dis, mais Seigneur, donc, ok, je vais chercher quelqu'un. Il me dit, arrête de chercher quelqu'un. Tu vas aller prêcher sur les antennes. Je dis, Seigneur, moi, je suis un bébé, oh. Je ne sais rien. Je ne peux pas prêcher. Et puis, tu as oublié, c'est la radio. Si je fais des erreurs, tout le monde va m'entendre. Ils vont entendre les bêtises et puis après, les gens vont se moquer de moi. Et puis, je vais entraîner des gens dans l'erreur. Je n'ai rien, Seigneur, moi, je ne peux pas. Le Seigneur m'a fait asseoir, viens dans ma présence. Et je suis allée dans la présence de Dieu, il m'a fait asseoir. Et il me dit, dans la Bible, n'y a-t-il pas l'histoire d'un petit garçon qui s'est présenté avec 5 pains et 2 poissons? Apporte-moi tes 5 pains et 2 poissons. Emmène-les à l'antenne et tu verras comment je vais les multiplier. Le peu que tu as. J'avais 2 ans dans la foi et je faisais ministère radio pour Jésus. La première émission que j'ai eue, j'ai pris des notes de l'église. Le pasteur avait prêché sur le pardon et ça m'avait beaucoup touché. Parmi mes notes, je prenais et je retravaillais sur les notes. J'essayais de voir si le Seigneur pouvait me diriger dans ces notes-là et me donner un peu de plus et des choses comme ça. J'ai pris mes notes, je suis allée à l'antenne et j'ai prêché sur le pardon. Le temps de sortir du studio, les téléphones crépitaient. Gring, gring, passez-moi le pasteur qui a prêché là. Passez-moi le pasteur qui a prêché. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est Agnès Doumbé, c'est la présentatrice. Non, non. Allô, allô, madame, merci, merci. Vous venez de sauver ma famille. Vous venez de sauver ma famille. Merci, merci. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, bon, il y a un autre pain à la maison. J'ai utilisé un pain aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais venir avec un autre pain. Puisque ce pain. Alléluia. Je suis repartie, j'ai prêché. Chaque dimanche, maintenant, les gens attendaient. Chaque dimanche, les gens attendaient. Un jour, j'étais en train de marcher avec une amie à moi, qui est aussi pasteur. On marchait dans la rue, puis je dis, Régina, je ne sais pas si je fais même quelque chose pour le Seigneur. Je ne sais pas si ça a vraiment un impact. Je ne sais pas si vraiment je suis en train de donner assez au Seigneur. Et tout ça. Elle dit, ah, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Hein? Tu ne sais pas ce que tu fais. Et immédiatement, il y a quelqu'un qui était dans un bar qui sort et qui commence à m'interpeller. Hé, Agnès, pasteur. Un soulard, il était sous. Il est venu vers moi. Est-ce que Dieu peut pardonner quelqu'un comme moi? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait sur cette terre? Est-ce que Dieu peut pardonner quelqu'un comme moi? Immédiatement, je me suis rendu compte que ce monsieur est dans l'alcool parce qu'il a un problème. Il a un problème. Et je lui dis, non seulement Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi, mais c'est des gens comme toi même qu'il veut. C'est des gens comme toi qu'il veut. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Et il s'est assis par terre. Il a commencé à pleurer là. On l'a encouragé et puis on l'a laissé. Alléluia. C'est après que j'ai regretté. Mais pourquoi moi-même, je ne l'ai pas conduit au Seigneur pendant que j'étais là? Mais l'expérience entre petit à petit avec des erreurs comme ça. Alléluia. Depuis ce temps-là, je suis restée une dévoratrice de la parole de Dieu. Je mange la parole de Dieu. Je la dévore. Je finis ma Bible. Je recommence. Je lis. Le Seigneur m'enseigne. Je lis d'autres livres. Je lis ce que les gens lisent. Et vraiment, j'ai pris les choses de Dieu. Moi, je suis le genre là, hein, quand j'ai lu, quand j'ai vu, il a dit, je m'applique à pratiquer ça pour que ça entre, ça fasse partie de ma vie. C'est ça qu'on appelle la parole faite chair. Vous savez ça? Vous savez ça?
C'est-à-dire que la parole est tellement en vous, la parole est tellement pratiquée dans votre vie, la parole est, elle fait partie tellement de votre vie. C'est votre nourriture. Vous attendez la parole parce que vous devez grandir, vous devez changer, vous devez avoir... C'est-à-dire que vous devez aller à une étape supérieure chaque fois où nous devons grandir. De la même manière que nous avons grandi depuis que nous étions petits. Excusez-moi, si quelqu'un qui vous a connu il y a 28 ans vous revoit aujourd'hui et qu'il vous revoit toujours petit comme vous étiez là, qu'est-ce qui va se passer? Ou vous-même, vous qui êtes là, vous connaissez quelqu'un qui est né il y a 28 ans. Vous l'avez vu bébé. Vous retournez le voir chez ses parents, il est toujours bébé. C'est normal? Je ne vous entends pas. C'est normal? Non. Mais si ce n'est pas normal, pourquoi vous faites ça? Si ce n'est pas normal de rester bébé au fil des ans, tout le monde, tu commences par être bébé et tu commences à grandir. Et tu continues de grandir. Alléluia! Vous savez, ça m'a fait quelque chose les premières années où je suis retournée au Cameroun, dans mon ancienne église. Et puis, il y a toujours les anciennes personnes qui sont là. Et puis, moi, je suis en train de leur prêcher l'évangile. Ce qui est en vous, là, ce qui est en vous, c'est ce qui va se développer. Si la parole est en vous, la foi est en vous, les intérêts du royaume de Dieu sont en vous, ça va se développer. Votre centre d'intérêt va se développer. Alléluia. Moi, je me souviens, je m'assois dans ma voiture. Quand je m'assois dans ma voiture, je suis assise dans la voiture, je conduis. J'arrive à un feu rouge, bam, j'arrête. Et puis, je commence à dire au Seigneur, « Seigneur, quand le feu va passer au vert, je vais passer la première. Je vais laisser ces voitures que j'ai trouvées ici. Et c'est comme ça que ça se passera dans ta maison. Je vais trouver des gens dans ta maison qui perdent du temps. C'est comme ça que je vais les dépasser. » Je faisais des actions prophétiques comme ça. Je passe la voiture, je dis, Seigneur, de la même manière que je suis passé, c'est comme ça que je passerai dans ta maison. Gloire à Jésus. Je veux arriver à quelque chose. Chacun d'entre nous est une lampe pour l'Éternel. Tu n'es pas ici pour rien. En commençant par ta propre vie, c'est ta vie qui témoigne. Moi, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, regarde un Jérémie a fait, regarde un l'autre a fait, regarde un David a fait. Oui, je le fais parfois, mais j'ai suffisamment de témoignages pour dire aux gens, le Jésus dont nous parlons là, je le connais, je l'ai expérimenté dans ma vie. Quand j'étais dans telle situation, je l'ai vu agir. C'est un Dieu fidèle, il s'appelle fidèle. Il existe, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de situation qui puisse résister devant lui. S'il a pu faire ça, il a fait l'autre, il fera ça. Je devais aller au Cameroun. Moi, je ne me soucie pas. Je ne me soucie vraiment pas. Vous savez, le pasteur vous a dit hier, mon mari est décédé il y a juste quelques mois. Ça va faire 5 mois. Il est juste décédé, mon ami. Mon complice, mon compagnon, mon frère, mon pasteur, il est décédé comme ça dans mes mains, sans avertir. Parfois, on n'a pas le temps d'avertir. Hein? Quand il nous appelle là, on n'a pas le temps d'avertir. Il est décédé samedi. Le dimanche, j'étais à l'église. Il est décédé samedi, dimanche, j'étais à l'église. Quand il fallait commencer la louange d'adoration, l'équipe de groupe de louange d'adoration, ils ont pris les micros. Seigneur, pleurait tout le monde. Ah, on va te faire un témoignage. Est-ce qu'il y a un témoignage ici? Quelqu'un dit, vraiment mon témoignage, notre papa. J'ai dit, à un moment, je leur ai dit, donnez-moi le micro. Je me suis levé. J'ai pris le micro. J'ai dit, nous sommes venus ici, pas pour adorer un homme. Nous sommes venus adorer Dieu. Nous nous sommes retrouvés dans sa maison pour l'adorer. Dans les moments de joie,
dans les moments de peine, nous devons l'adorer. Il est digne d'adoration. Et pendant que nous sommes là, retenons nos larmes et donnons-lui ce qui lui est dû. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons sortir et nous pouvons aller pleurer. Il comprend ça. J'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter un chant. Et le chant dit: For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. The God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Car le Dieu de la montagne est le Dieu de la vallée. Quand tout va mal, il le fait bien. Et le Dieu des bons jours est Dieu dans les mauvais jours. Le Dieu de la journée est toujours Dieu dans la nuit. Rien ne doit te faire reculer devant le service de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Ce Dieu-là s'appelle le Dieu fidèle, l'alpha et l'oméga. Il est ton tout en tout. Il est celui qui te soutient le jour et la nuit, dans les bons et les mauvais moments. Dans les bons moments, il t'élève. Dans les mauvais moments, il te fortifie. Dans les mauvais moments, il t'élève, il t'éduque, il te forme, il te donne une formation. Il te rend plus fort, il te rend plus résistant. Dans les mauvais moments, il les permet. Oui, il les permet. C'est un Dieu qui les permet parce qu'il a un plan pour toi. Et il ne peut pas te nourrir que de lait, que de lait, que de lait, que de lait. Il faut un jour que tu apprennes à croquer les os. Et tu ne peux pas croquer les os si tes dents ne sont pas exercées à croquer ce qui est dur. Le Seigneur, notre Dieu, veille sur nous. Vous n'avez pas le droit de reculer. Pas le droit de reculer. Nous avons donné la vie. Nous avons donné nos vies à celui qui donne la vie. Nous avons donné nos vies à ce qui nous la donne en abondance. À celui qui nous la donne et qui la donne en abondance. Nous avons donné nos vies à celui qui veille sur nous nuit et jour. La parole dit que lorsque nous dormons même, lui ne dort pas. Il ne sommeille même pas, ses yeux ne font même pas ça. Pourquoi? Parce qu'il veille sur nous. Il nous a gravés dans la paume de sa main. Peut-il oublier que tu as faim? Il sait quand tu as faim. Parfois, il le permet que tu aies faim. Parce qu'il sait que quand tu auras faim, peut-être que tu seras en train de jeûner à ce moment-là. Le Seigneur de la vie, le Seigneur fidèle, il est fidèle. Son nom est fidèle. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ma fidélité est pour vous. Un bouclier, alléluia. Il dit, ma fidélité est pour vous. Une armure et un bouclier. Psaume 91. Alléluia. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas de la littérature. C'est vrai. C'est prouvé. Il est vivant, il est avec nous tous les jours. Et pendant que nous sommes assis, est-ce que nous savons qu'il a des besoins? Est-ce que nous savons que Dieu a des besoins? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il ne peut pas t'utiliser? Pourquoi tu crois qu'il ne peut pas t'utiliser? Pourquoi? Tu es là? Peut-être que le monde entier t'a déjà disqualifié. Je veux te faire savoir que tu es qualifié. Celui qui qualifie, le seul qui est capable de qualifier, le seul qui dit oui, et personne ne peut dire non. On va dire non. Ah, Yaola, il n'est pas bon, il n'a pas appris, il n'a jamais allé à l'école, il ne tient pas, il ne peut pas faire ça, il n'est pas capable. Ton Dieu, assis sur le trône, va regarder et puis va dire, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Yao, c'est moi qui l'ai fait. Je sais quel est le temps de Yao. Yao, attendez, Yao va se lever. Une fois que je serai debout pour Yao, vous verrez la vie de Yao. Vous verrez ce que Yao est capable de faire. Et pendant ce temps, Dieu est en train, la parole de Dieu dit, il exerce mes mains à la bataille. Alléluia.
il exerce. Comment est-ce que Dieu peut exercer tes mains à la bataille et tu ne te bats pas? Sans combat? Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas d'épreuves. Ne veulent pas d'épreuves, c'est pas possible. Comment est-ce que tu vas être... David, il disait, moi, je sais que je peux battre Goliath. Goliath n'est rien devant moi. Vraiment, il est petit. Quand je regarde Goliath là, il le regarde, il regarde sa taille, puis il dit non. Goliath est comme ce pilier là. Il dit, en tout cas, l'ours que j'ai abattu l'autre fois là, il était comme ça. Bon, l'autre lion là, il était comme ça, mais il était plus fort que Goliath là. Et je l'ai tué quand même, non? Ok. Bon, quand je regarde Goliath, et en plus de ça, il est même déjà vaincu. Il a eu la malchance de dire du mal de mon Dieu. Il a eu la malchance de se positionner de l'autre côté. Ouais, j'ai pitié de toi, Goliath. Aujourd'hui, c'est les oiseaux du ciel qui vont picorer tes yeux, manger ta tête là. Et toi, tu es là. Toi, tu es là. Tu es le même que David, hein? La même chair. Le même sang. Quand le lion... Les lions ne t'attaquent même pas, ils envoient seulement les biches t'attaquer, seulement un peu. Pour que tu essaies de faire tes muscles, fais un peu de gymnastique spirituelle aussi. Quand la biche là arrive comme ça, tu fais comme ça. Hé, papa, tu vois la biche là. Pourquoi la biche m'a touché? Je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu remplis le... Prends le taureau par les cornes et puis combat. Quelqu'un, il y a quelqu'un qui est avec toi. L'Éternel des armées est avec toi. Il t'apprend à te battre. Il t'apprend les combats. Quand la biche vient, lève-toi et puis dis, attends un peu, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a donné son autorité. Le sang de Jésus, je me tiens dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, situation, je te parle. Tu courbes la tête. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je te commande de fléchir. 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 Et tu commandes. La parole de Dieu dit, je poursuis mes ennemis et je ne reviens pas sans les avoir mis en pièces. Je ne reviens pas. Toi, tu jeûnes une fois. C'est pas encore parti. Pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné. Retourne. Prie. Jeûne encore. Et prie encore. Et jeûne encore. Et prie encore. Et jeûne encore. Et prie encore. Et jeûne encore. Le Seigneur est en train de te faire des muscles spirituels. N'aie pas peur. Il est fidèle. Il se tient à tes côtés. Fais les combats avec lui. Et vois si tu ne vas pas vaincre. Fais les combats avec lui. Et vous voyez, quand je commençais, on m'a invité à une retraite pastorale. Je n'étais pas pasteur. Je faisais juste ma petite émission à la radio là. Et j'allais à l'église. Les pasteurs, les diacres, les diaconesses, tout ça, ils avaient leur retraite. Et le pasteur a dit, tu viens avec nous. Je suis allée. Quand on est arrivé, dès le premier jour, on a à peine déposé nos affaires. Il y a une des dames qui était là, qui dit, s'il te plaît ma soeur, viens prier pour moi. Ça fait 8 mois, je ne peux pas porter de chaussures. Mes pieds, je ne peux pas mettre mes pieds dans une chaussure. Je peux pas. Elle était toujours en tapette. Elle peut pas, rien ne peut toucher ses pieds comme ça. Donc, elle avait des sortes de tapettes très larges qui lui laissaient un espace et tout ça. Et elle me dit, prie pour moi. Je dis, attends, tu me prends pour qui? Je suis pas, ça fait pas longtemps que je suis à l'église, moi, je peux pas prier comme ça. Non, il faut appeler le pasteur. Elle dit, non, le Seigneur dit que c'est toi qui dois prier pour moi. Je dis, moi, quel Seigneur t'a dit ça? Le Seigneur sait que je suis un bébé spirituel. Ah, il faut appeler le pasteur. Et puis tout le monde autour d'elle a commencé à dire, ah mais toi aussi ma soeur, pourquoi tu fais ça? Si elle veut que tu pries pour elle, prie pour elle. Et puis j'étais fâchée comme ça, j'ai pris une chaise, je me suis assise en face d'elle, j'ai pris ses pieds, j'ai mis sur mes genoux, et puis j'ai attrapé ses pieds. J'ai commencé à prier. Mais
j'ai commencé à prier un peu. Seigneur, dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Pour... Et quand j'ai commencé dans le sang de Jésus, j'ai senti quelque chose qui me disait, dis encore le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus. Et j'entends quelque chose en moi qui me dit, le sang, continue, le sang de Jésus. Continue le sang de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de me diriger dans la prière. Me diriger dans la prière. Et je continue, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand je dis, je sens comme si physiquement, quelqu'un a mis sa main sur ma bouche pour m'attraper la bouche et que je ne puisse plus parler. Je sens cette main-là et je me bats à l'intérieur de mon cœur. Je continue de dire le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et puis c'est sorti de ma bouche. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors j'étais partie dans cette lancée-là. Je criais seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Et puis la dame me dit, c'est bon, je suis guérie. Et j'entendais pas. J'étais toujours le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Elle me dit, ma sœur, ma sœur, ma sœur, arrête, arrête, c'est bon, je suis guérie, je suis guérie. Et d'autres personnes sont venues me dire, elle dit qu'elle est guérie, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon, c'est bon. Et puis, le sang de Jésus. Et puis elle est descendue, elle a fait descendre ses pieds. Elle a commencé à faire, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie. Elle a cherché les chaussures d'une sœur, elle a mis ses pieds dedans, des chaussures à talons, et puis elle a commencé à marcher. Est-ce que vous m'avez vu comme ça depuis des mois? Est-ce que vous m'avez vu comme ça depuis des mois? Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Parce que vous êtes assis ici et parce que vous avez décidé, vous avez mis dans votre esprit que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez pas, que vous n'avez rien à faire. Vous voulez simplement vous asseoir. Il y a des dons qui sont assis au milieu de vous. Il y a des dons qui sont assis au milieu de vous. Il y a des dons qui sont en train de mourir au milieu de vous. Il y a des dons qui sont là pour l'œuvre de Dieu. Dieu a déjà déversé ces dons au milieu de vous. Et vous ne voulez pas les utiliser parce que vous manquez de foi, parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas en lui. Vous ne croyez pas qu'il peut vous utiliser. Mais je vous assure, ce soir, au nom de Jésus, levez-vous et voyez. Levez-vous et vérifiez. Levez-vous et vérifiez. Si l'Éternel des armées ne vous a pas visité, il vous a déjà visité. Plusieurs au milieu de vous avaient déjà des dons. Ces dons n'attendent qu'à se manifester. Mais vous les retenez. Tant que vous ne libérez pas ces dons, vous ne permettez pas l'expansion du royaume de Dieu qui est de votre responsabilité. Plusieurs d'entre vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que Dieu veut vous utiliser. Vous ne croyez même pas que ces dons sont en vous. Je vous assure ce soir, je vous interpelle ce soir, les dons de Dieu sont en vous. Vous les tenez captifs. Libérez les dons du Seigneur. Libérez les dons du Seigneur. Libérez les dons du Seigneur qu'il vous a donnés par pure grâce. Vous n'avez pas de mérite. Le Seigneur a confiance que vous pouvez utiliser ses dons parce que c'est lui qui agit au travers de ses dons. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut agir. Vous gardez ses dons captifs. Vous gardez ses dons captifs. Libérez les dons du Seigneur. Libérez les dons du Seigneur. Levez-vous dans la maison de Dieu. Travaillez pour le Seigneur. Ayez foi que vous êtes capable parce que vous n'êtes pas votre capacité. Mais le Seigneur qui est avec vous est votre capacité. Il vous utilisera, il vous utilisera, il vous utilisera. Il a déjà commencé à vous équiper. Ne gardez pas pour vous ce que Dieu a donné pour sa maison. Ne gardez pas pour vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous et servez le Seigneur. Levez-vous et servez le Seigneur. Que votre foi se réveille. Que votre foi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de peur. Je brise tout esprit de peur qui assujettit les enfants de Dieu. Je brise tout esprit de peur. Je brise tout esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de timidité. Au nom de Jésus, je l'assujettis. Je l'assujettis. Je l'assujettis. Dans le nom de Tout-Puissant Jésus, j'assujettis cet esprit. Au nom de Jésus, que les dons se réveillent. Que les dons se réveillent. Que les dons se manifestent. Que les dons se manifestent. Que les dons soient actifs dans l'église du Seigneur. Que les dons soient actifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis cet esprit. Je lis l'esprit d'esclavage. Je lis l'esprit d'esclavage. Je libère les dons du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les dons de service, au nom de Jésus, que la foi du Seigneur descende sur vous. Que la foi du Seigneur descende sur vous. Que la foi en Jésus descende sur vous. Que vous êtes utile pour son royaume et qu'il vous voit, il vous connaît, il sait que vous êtes capable et parce qu'il a mis en vous la capacité. Le Seigneur sait que vous êtes capable. Il a mis en vous la capacité, pas votre capacité. Ne regardez pas par les yeux de la chair. Ne regardez pas par les yeux de la chair. Ne regardez pas par votre chair.
Ne regardez pas par votre chair, mais regardez par l'Esprit de Dieu qui est votre capacité aujourd'hui. L'Esprit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. Il est sur vous. Les dons du Seigneur sont avec vous. Les dons du Seigneur sont avec vous. Libérez les dons. Libérez les dons. Je veux que tu ouvres ta bouche en ce moment. Je veux que tu ouvres ta bouche en ce moment. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord de libérer le don qui est en moi. Je suis d'accord. Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord aujourd'hui. Je suis d'accord aujourd'hui. Je suis d'accord aujourd'hui. Je veux que tu parles au Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Tu n'es pas petit devant le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui devant le Seigneur. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Et le Seigneur a confiance en toi. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Prie au nom de Jésus ce soir. Libère le don de l'Esprit qui est en toi. Libère ses dons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance du Seigneur se manifeste au travers de vous. Dans cette église, au nom de Jésus, que les dons du Saint-Esprit commencent à agir. Les dons de guérison, au nom de Jésus. Les dons de miracles, au nom de Jésus. Les dons de délivrance, au nom de Jésus. Les dons de prophétie, au nom de Jésus. Les dons de la parole de connaissance, au nom de Jésus. Les dons de service, au nom de Jésus. Que les dons se manifestent. Que les dons se manifestent. Que les dons soient libérés, au nom de Jésus. Libérez les dons du Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Libérez ses dons. Donnez gloire à Dieu. Et montrez aux ténèbres que Dieu a un peuple. Libérez les dons du Seigneur. Indaraba seterebo. Shabababa. 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 Alléluia. Lereba sataraba. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui meurent autour de vous tous les jours. Et ils partent. Et vous avez un don qui peut les sauver, même s'ils partent de l'autre côté. Et vous ne leur donnez pas. Quand ils vont de l'autre côté, c'est fini pour eux. Et ils ne connaissent pas Jésus. Parce que vous avez voulu tenir votre bouche fermée. Et la personne s'en va. Dans votre famille. À côté de vous. Ils sont là. La mort les prend. Et ils sont enfermés dans une éternité de punition. Parce que vous ne leur avez rien dit. Parce que vous ne leur avez rien dit. Parce que vous avez refusé d'ouvrir la bouche. Vous avez refusé d'utiliser ce petit souffle que vous avez. Vous avez refusé de l'utiliser. Quelqu'un est entré dans la drogue ou dans l'homosexualité. Parce que la parole qu'il devait entendre, il ne l'a pas entendue. Vous l'avez gardée enfermée en vous. Vous avez gardé cette parole en vous. Vous avez refusé de partager le petit don de Jésus que vous avez en vous. Vous avez refusé de le partager. Vous avez refusé de fléchir genoux-mêmes pour prier pour la personne. Vous avez refusé. Vous êtes resté chez vous tranquillement. Et la personne est perdue. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Parce que vous êtes trop, trop important pour donner le message du Seigneur. Vous êtes trop important. Trop. Vous êtes trop important. Trop important. Vous êtes trop important. Trop important pour travailler pour Jésus. Trop important pour faire quelque chose pour Jésus. Les gens meurent tous les jours à côté de vous. Les gens s'en vont en enfer tous les jours à côté de vous. Et vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Et vous êtes en paix. Vous vous occupez du collier que vous n'avez pas eu. Du mariage que vous voulez avoir. Vous vous occupez des petites choses comme ça. Les gens meurent tous les jours à vos côtés. Tous les jours. Sans savoir la vérité. Sans avoir de témoignage. Les gens meurent tous les jours à vos côtés. Et vous êtes là. Vous retenez captif le don du Seigneur. Alléluia. 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 Quand le Seigneur m'a dit,
démissionne. Est-ce que je peux t'envoyer? Est-ce que je peux compter sur toi? Si je te demande de démissionner, est-ce que tu vas partir? J'ai dit, Seigneur, je vais partir. Seigneur, je vais partir. Il me dit, démissionne. Tu t'en vas dans une nation que tu ne connais pas. Va, laisse ta famille. Je serai avec toi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis parti. J'ai distribué mes affaires de tout ce que j'avais dans cette terre, dans tout ce pourquoi j'ai travaillé dans toute ma vie. Je n'avais qu'une valise avec laquelle je suis parti et une petite valise en plus. Je suis parti. Je n'ai jamais vu le Seigneur m'abandonner. Je n'ai pas manqué de manger un jour. Je n'ai jamais eu faim. Je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais été malade sans être soigné. Jamais. Jamais le Seigneur ne m'a abandonné. Je suis parti. S'il me fallait des papiers, je fléchissais genoux. Le Dieu de l'impossible ouvrait les portes et on me donnait les papiers dont j'avais besoin. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu es assis ici, jour et nuit, dimanche après dimanche. Est-ce que tu es sûr que tu es agréable à Dieu? Es-tu sûr de lui être agréable? Dimanche après dimanche. Dimanche après dimanche. Dimanche après dimanche. Dimanche après dimanche. Pas de foi. Je ne crois pas. Oui, je crois, mais. Je crois, mais j'ai besoin de ça. Je crois, mais j'ai besoin d'une voiture. Je crois, mais j'ai besoin d'argent. Je crois, mais j'ai besoin d'un emploi. Il n'y a pas de je crois, mais. Je crois. Point. Trait. Je crois, point trait. Je crois, point trait. Bouge. 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 Quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur me dit, demande à la sœur Émilie, avec qui j'avais un petit groupe de prière. Il dit, demande à la sœur Émilie de te donner son salon pour que tu commences à faire le ministère comme je le veux. Demande-lui de te donner son salon parce qu'elle n'est pas là dans la journée. Elle va travailler toute la journée et quand elle revient tard la nuit. Dis-lui de te donner son salon. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, elle va croire que je suis en train de les viser et de guetter leur bien. S'il te plaît, convainc-la. Deux jours après, Emilie est venue me voir et dit, le Seigneur dit de prendre le salon, mon salon, viens faire le ministère dedans. Deux jours. Quand il fallait partir de la maison d'Emilie, le Seigneur me dit, je veux que ce ministère commence à grandir. Je veux que tu prennes un endroit plus grand. Je veux que tu fasses un pas de foi. Je reste. Je prie et je jeûne. Il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Abraham. Il est allé à une retraite. Il ne sait pas mon deal avec le Seigneur. Et puis il vient me dire, pasteur Agnès, le Seigneur m'a montré que tu étais en train de courir. Tu étais en train de courir. Et puis tu es arrivé devant une falaise. Et puis quand tu es arrivé devant la falaise, au lieu de sauter, tu t'es arrêté. Et le Seigneur dit, va lui dire de sauter et qu'elle voie si je ne la rattraperai pas de l'autre côté. Quand il m'a dit ça, je dis, pasteur Abraham, va dire au Seigneur que j'ai compris, je vais sauter. La même semaine, j'ai commencé à marcher dans les quartiers et chercher un bâtiment, un bon bâtiment. J'ai commencé à marcher, pas 5 francs, même pas un compte en banque et pas 5 francs en poche. Je m'en vais louer une maison, une grande maison. J'ai commencé à marcher dans le quartier. Marcher dans le quartier, marcher dans les quartiers. Et j'arrive devant un beau quartier. Je vois cette belle et grande maison qu'il y a à vendre. Et puis je sonne et on me dit d'entrer. J'entre. Et quand j'entre dans cette maison, le propriétaire même est là. Il me dit, la maison, elle est à 450 000. Je dis, cher monsieur, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. 450 000, c'est un peu élevé pour moi. Est-ce que vous pouvez rabaisser un peu? Il me dit, bon, donnez 250 000. Et les 250 000, je n'en ai pas. Je ne les ai pas. Je lui dis, ok. Et il me dit, donc, il va falloir que vous payiez 3 mois de loyer, 1 mois de, comment on appelle ça, de caution, et puis 1 mois pour l'agence. Alléluia.
Je lui dis, ok, nous étions vendredi. Je lui dis, vous me verrez mercredi. On va signer mercredi. Je n'ai pas le moindre 5 francs dans ma poche. Que quelqu'un dise la foi. Non, que quelqu'un dise la foi. Non, que quelqu'un dise la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le Seigneur me regardait certainement. Hein. J'imagine qu'il était assis sur son trône et lui dit, la petite là me fait confiance. Hein. Elle sait que je ne peux pas la trahir. Elle sait que je ne peux pas la lâcher. Elle me fait confiance. Je suis allée. Vendredi, je suis rentrée à la maison. J'étais assise là, j'ai dit, Seigneur. Dès que je suis rentrée, j'ai fermé la porte et j'ai dit, Seigneur, j'ai sauté. Samedi matin, quelqu'un sonne à ma porte. Un notaire, une dame notaire. Elle vient me dire, Pasteur Agnès, tu te souviens mon contrat que le gouvernement ne voulait pas me payer depuis. On m'a payé hier. J'ai la dîme, je te l'ai apporté. $1,500,000. J'ai appelé le monsieur. Allô, monsieur Alou. Vous ne pensez pas que mercredi c'est trop loin, même. Il m'a dit, quand voulez-vous? Je dis lundi, juste après le week-end, lundi. Il dit d'accord, lundi. Le mardi, j'étais dans les locaux. Je suis entré, j'ai dit, Seigneur, j'ai sauté. Et vraiment, tu m'as rattrapé de l'autre côté. Que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il avait fait ça à Naomi, il avait fait ça à Ruth ou à Esther. Je suis un témoin vivant de la bonté du Seigneur. Je suis un témoin vivant de la réalité du Seigneur. Dieu est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il aime son peuple. Et il ne nous laissera jamais dans la honte à cause de son nom. On nous appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Dieu ne permettra pas que la honte vienne sur son enfant parce que les gens vont lui demander, où est ton Dieu? Notre Dieu est digne de foi. Je l'ai dit, vous êtes assis ici, beaucoup d'entre vous. Le Seigneur a déversé ses noms sur vous. Vous avez un travail à faire pour lui dans cette église. Et vous vous asseyez. Certains se disent, je ne suis pas encore formé. Certains se disent, je n'ai pas le temps. Certains se disent, quelqu'un d'autre peut le faire à ma place. Certains se disent, moi je suis trop grand pour faire ça. Je vous en prie. Vous êtes en train de retenir les intérêts du royaume de Dieu. Et vous êtes en train de dire au Seigneur, ce que je te demande de faire pour moi, moi je ne peux pas le faire pour toi. C'est ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Ce que je m'agenouille tous les jours là pour te demander. Si c'était toi qui me le demandais, je ne te le donnerais pas. Parce que Dieu te demande de faire quelque chose pour lui actuellement. Et tu décides délibérément que tu ne le feras pas. Il y a des dons en vous. Il y a tellement de dons. Il y a tellement de dons. Quand je vous regarde, je vois une assemblée remplie de guerriers, remplie de serviteurs, remplie, je vois des ministères, je vois des ministères. Mais certains d'entre vous, vous avez peur qu'on se moque de vous. Toi aussi, tu travailles à l'église là. Vous savez, moi, il est arrivé un moment où on m'appelait Madame Alléluia. Hey, Madame Alléluia. Et je demande aux gens, vous savez ce que Alléluia veut dire? Alléluia veut dire gloire à Dieu. Si tu m'appelles gloire à Dieu, Alléluia. Appelle-moi gloire à Dieu encore. Continue de m'appeler Alléluia. Continue de m'appeler Alléluia. Parce que certainement, tu verras la gloire de Dieu dans ma vie.